Normalement, ça devrait être bon là. Partie 3. Partie 3 de Amnesia. Amnesia, on a fait une petite pause d'une journée, ça nous a fait le plus grand bien, hein, avec le bébé qui vient de naître. Petit enfant qui vient de naître. On a eu besoin de faire une petite pause hier, hein. Mais c'est pour mieux revenir ce soir. Là, je suis en train d'actuellement, avec mes petits doigts agiles, d'aller mettre le chat sur mon téléphone. J'ai eu un petit souci juste avant, j'avais pas de son. Donc il a fallu y remédier. Donc on va passer en mode jeu. On va prendre mon petit profil, hein, Romain. Voilà. Oui, la mouche, bien sûr. Alors c'est pas de mon fait là, elle s'est lancée toute seule. On va faire continuer. Je sais plus exactement où j'en étais. Il va falloir que je regarde dans mon inventaire. Voilà. Nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a dans notre chapeau? On avait la perceuse manuelle qu'on avait eue, je ne sais plus où, mais je m'en souviens. Petite perceuse de charpentier, voilà. Et là, oui, on était dans un espèce de. Je sais plus comment on peut appeler ça. Alors, F, hein, c'est pour. Regarde un petit peu les plans. J'ai pas l'impression que les plans, les choses comme ça nous aide. Voilà, ici, qu'est-ce qui est écrit? Écoulement. Écoulement. Il va falloir mettre du bâton là. Attendez, je vais un peu la lumière, mon personnage commence à flipper. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mets-toi bien la rétine dans le. Dans la bougie. Donc la sortie était par là. Ce qu'on peut faire, c'est retourner voir un peu ce qu'on avait bouiné. Je me souviens qu'on avait réussi pas à remettre la machine en route. Il nous manquait du carburant. Je me souviens de ça. Voilà, on avait la machine là. On peut pas allumer ça. Voilà. Voilà, on y voit quand même drôlement mieux. Et là, on peut pas mettre du Mamadou? Non. Je regarde s'il n'y a pas une autre lampe torche. Donc là, de toute façon, le jeu nous le dit, hein, quand on fait ça, il n'y a rien dans le brûleur qu'il puisse s'allumer. Attendez, c'est la traduction ou c'est moi là? Il n'y a rien dans le brûleur pour qu'il puisse s'allumer, pardon. Donc il va nous falloir. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une caisse? C'est complètement con, mais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il nous faut un combustible. Est-ce qu'il y en aurait dans cette salle? Pas l'impression, hein. Pas l'impression qu'il y en ait dans cette salle. Ah oui, voilà, je me souviens. On avait bouiné ici. On avait bouiné ici et je m'étais un petit peu agacé de voir qu'il y avait beaucoup de charbon ou je ne sais quoi, hein, ou de la merdasse. C'est selon les goûts. Et que. Ah. Alors on va voir comment ça va se passer cette fois-ci. On va voir comment ça va se passer cette fois-ci. Mais ne soyons pas fermés d'esprit. Alors pourquoi il y aurait autant de charbon si on peut pas l'utiliser? C'est ça qui m'intrigue. Je ne vois pas. Alors, peut-être que la perceuse va nous permettre de faire quelque chose dans une autre section du jeu. C'est possible. Parce que là de ce que j'en comprends, il nous faut juste du carburant. Bon, moi je veux bien aller zoner un petit peu partout, mais je suis pas certain que je vais trouver du carburant. J'en suis pas sûr. Ici, on en vient. Question carburant, c'est nada, quoi. Y a pas de carburant ici. Et qui me parle par contre? Non, non, mais il va me falloir quelque chose qui va peut-être me donner du carburant. Bon, on se casse. Moi, je propose qu'on se casse. On a une petite perceuse manuelle. Alors, Nick Tara, je me souviens, nous avait dit que c'était pas une perceuse, c'était une chignole. Et après, sa femme est venue en nous disant que non, c'était une tarière. Donc,
On a une tarière. Je sais pas à quoi ça peut nous servir. Ici, il n'y a pas de carburant. Là, il y a du sang, par contre. Alors oui, voilà. Je me souviens de ça. Et là, ça, c'est quoi? Ah bah, c'est du Mamadou. Mais il y en a beaucoup, là. Il y en a un deuxième. Et je ne m'abuse. Voilà. Alors, celui-là, pour l'attraper, c'est il est plus complexe. Il est un peu plus complexe, faut sauter. Non? Allez, viens, mon coquin. N'aie pas peur. Allez. Il veut pas que je chope. Attendez, attendez. Ah! Ah bah, on peut allumer là. Enfin, allumer un pour en reprendre un, vous allez me dire, le calcul il est pas terrible. Hein. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Pourquoi il veut pas le prendre? Ah voilà, il veut vraiment qu'on se mette à genoux, quoi. Il veut vraiment qu'on bogue the knee. Bon, y a pas. Ah? Pas ça. Non, c'est juste un objet qu'on peut. Bah, quand il dit du carburant, on pourrait pas mettre un livre ou quelque chose? Je suis en train de réfléchir. Ça m'arrive. On pourrait pas mettre. Puis là, le coup des chiffres romains. Puis il se sent très 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 mal à l'aise, alors que. Il faut quand même allumer ici, voilà. Mais je n'ai vu à aucun moment dans le jeu. Hein, on va essayer d'être un peu franc-jeu. À aucun moment j'ai vu dans le jeu quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à des chiffres romains. Donc. Comment on va. En même temps, c'est des tuyaux. Ils vont où tous ces tuyaux? Là, il y a un entrechevêtement. Entrechevêtement. Un millimilo, un malestrome de tuyaux. Non, bon, on se casse. On retourne au patio. Je sais pas. Le professeur Taylor était la seconde victime décédée à cause de sa maudite curiosité. J'ai un petit peu oublié l'histoire. Hein. Enfin non, dans les grandes lignes, je m'en souviens. Donc là, on était au patio. On avait réussi à... Voilà. On avait été, en fait, on voulait aller à la salle des machines parce que la salle des machines va nous permettre de faire fonctionner l'ascenseur. On avait trouvé la clé, voilà, je me souviens. Et donc, on a une perceuse. Mais cette petite perceuse, est-ce qu'on peut s'en servir autre part? On va essayer. Toujours cette magnifique baie. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Le fait d'avoir résolvé quelque chose nous a donné droit à une petite cinématique. Ah, un petit dialogue, pardon. Je sais plus si nous étions à geler. En fait, on en venait d'ici, hein, je sais plus. Je vais regarder le nom. Au stockage. On va retourner au stockage. C'est au stockage qu'on a eu la manivelle. Mais la manivelle, on ne s'en est pas servi au stockage. Alors peut-être que c'est là qu'il va falloir l'utiliser. C'est possible. C'est possible. Pour en avoir le cœur net, il faut y aller. Hein. Parce que normalement, de ce que j'ai compris du jeu, chaque énigme est indépendante des autres. Bon, à part, c'est vrai que quand on trouve une clé. Quand on trouve une clé. Enfin, j'aurais envie de l'allumer, mais en fait, je vais pas le faire. Non, là, on n'a pas du tout envie d'y retourner. Vous souvenez d'ici? Non, ça, c'est fini, ça. Cette histoire. Fini cette histoire, on avait fait tout là. Non.
Très très mauvaise idée, les Romains. Non, 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 on va retourner à l'étage. C'est ici qu'on avait trouvé la clé qui nous permettait d'aller. Qui nous permettait d'aller à la salle des machines. Salle des machines qui va nous permettre de faire fonctionner l'ascenseur. Mais. Là, on est coincé, il nous faut du combustible, voilà. Pour la salle des machines. Et on a. On a une perceuse, oui, qui est en fait une tarière. Allez, on retourne à la chambre des invités, mais j'y crois peu. Hein. J'y crois peu. La chambre des invités, si mes souvenirs sont bons, c'était une toute petite chambre d'invités. Non, toute petite chambre où il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'on s'était caché. On s'était caché, je me souviens, ici. Normalement, le jeu pour vous est moins sombre, hein. J'ai mis plus de luminosité. Ne me remerciez pas, c'est normal. Je vous gâte, c'est donnant-donnant. Hein. Ouais, le jeu doit être le jeu moins sombre. Il est comme chez moi. J'ai changé ma façon de capturer. Ça devrait être un petit peu plus agréable pour vous. Et pour moi aussi. Parce que on m'a chuchoté sur Twitch. Je vous le cache pas. On m'a dit Romain, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui me parle là. Hein. En même temps, un combustible, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Moi, j'aurais bien mis mon Mamadou, mais il ne veut pas. Non, je pense pas qu'on ait besoin de revenir ici. On a eu la... Je sais plus ce qu'on avait eu, mais on a fini. On a eu la clé derrière un tableau ici, en fait. C'était ici qu'on avait eu la clé. Je crois. Je suis pas convaincu, mais bon. Non, on a terminé cette histoire, on tombe dans le patio. Tant pour moi, il hein, faut que je me remette un petit peu dans le jeu. Sir William avait été marqué. Il ne pouvait désormais en aucun cas savoir que le jeune homme de l'autre jour projetait cette ombre terrible. Ok. Et là, donc, c'est là où on va aller. On va aller à l'étude. On va l'étudier. Oh, pas de mal. La musique... Et pas exceptionnel, mais elle a fait son office. Musique d'accompagnement, là. Alors, est-ce qu'on a besoin de bouiner quelque chose ici? C'est ici qu'on avait eu la clé? Là, j'ai ramassé ça, moi. Et à mon élève et ami de confiance, George Wagner. Bon. On va faire abstraction un petit peu du lore. Je sais que ça intéresse tout le monde, mais pour que la progression soit fluide... Ah, là on peut quand même prendre la Bible. Comme quoi j'avais loupé 2-3 trucs. Hein. C'est-à-dire que des fois j'étais un peu fatigué quand je streamais. Là je vais pas vous mentir, je suis en pleine forme. Putain, il y a quoi dans ce coffre? Mamadou, bien sûr. C'est curieux, je serais jamais venu là. Pourquoi pas? On continue là. Continue. Ça serait tentant d'utiliser tout le temps la chandelle. Pas souvenir moi d'être venu ici. À l'étude. C'est la première fois qu'on y vient. Non, ça me dit quelque chose les outils là. Le petit lapin. On se connaît? Oh là! Let's see what you have to offer. Il y a violence sur animal là. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Oui, c'est, ça me fait penser à Reanimator, quoi. Ils ont, ça bouine sur des animaux, ça essaye de recréer la vie, voilà, regardez. Regardez-moi ça. Ça essaye de recréer la vie. Il y a taxidermie, il y a la mâchoire canine. Connaissance en équilibre. Succès de l'anatomie humaine. Oui, ils ont essayé d'être des apprentis sorciers. Voilà ce qui s'est passé. On a retrouvé une note. Bon, on va pas la lire, mais certainement que ça corrobore ce que je suis en train de dire. Non, on n'est jamais venu là, regardez-moi ça, regardez-moi ces posters.
ça qu'il nous faudrait pour comme combustible du petit bois. Pourquoi il en prend pas? Là c'est un monsieur qui a un zizi mais qui a pas de bras, qui a pas de tête. Ah bah bravo. Ah, on peut prendre alors ça je sais pas ce que c'est, à chaque fois on peut le prendre. Espèce de buvard. Salut mec. Ah, il y a quelque chose encore aussi ici. C'est marqué quoi? Frankenreich? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là, oh là! Vous le croyez si je vous dis que ça m'a fait peur un peu? Un petit peu, hein. J'ai pas eu un effet de zoom, ça m'a fait. Oui, ça m'a surpris. Ça m'a fait un peu peur. Ah ah ah, qu'est-ce qu'on a trouvé là? De la madou, bien sûr. Non, on n'est jamais venu là, hein. Non, on va pas allumer ici. On n'est pas non plus. On n'en est pas là, quand même. On voit relativement clair, quand même. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre. Qu'est-ce qu'on peut bouiner? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Rien du tout. Ça sert à quoi d'aller à l'étude? À part étudier. On continue, hein, on continue notre périple. On va revenir sur nos pas, non? Non. C'est pas où je viens, là? Oui. On continue par là, pardon. Tant pour moi. Tant pour moi. Ah. Qu'est-ce que quoi donc? Il me dit quelque chose. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans le... On va aller dans mon inventaire. Regardez-moi ça. Déjà, on va... au niveau de la vie, on est comme en santé. Quelques coupures et contusions. Bon, ça, on a l'habitude. C'est toujours à peu près ce qu'on a. Hein. Équilibre mental. La tête est au bord de l'explosion. Les mains tremblent. Ah oui, par contre, ça, c'est moins bon. C'est moins bon, ça. On se prend un peu de l'eau d'Anum. Une orthèse médicale. Je crois que ça fait 5 fois que je le lis. Hein. Une orthèse médicale destinée à améliorer l'état de santé et à faciliter la guérison des blessures. Ok. Ah, ça n'a rien changé. Je l'ai pris pour rien. Bon, très bien. Donc, on va dans le journal. On va regarder le memento. Trouver un autre chemin autour des décombres de l'étude. Ah, c'est ça qu'il vient d'inscrire. Les décombres liés à un éboulement gênent l'accès au stockage. Trouver un moyen de passer. Ben, on a essayé avec la petite... la tarrière. Mais ça n'a pas fonctionné. L'obscurité dans la salle de stockage semble étrange et anormale. Bon, vraisemblablement, déjà, c'est la salle de stockage. Il faudrait qu'on se rende à nouveau. Hein. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Bon, ça, faut les faire dans l'ordre. Trouver un autre chemin autour des décombres de l'étude. Hein? Si on n'est pas trop con. Faut qu'on trouve un autre chemin qu'ici. Comment on peut faire? On n'est pas trop bête. Regardez. On va aller là. Là quoi, quoi? C'est pas moi. Quelqu'un qui a acheté quelque chose. Regardez. On a de l'huile, c'est très bien. Les carreaux craqués de la fenêtre sont maintenus ensemble par une armature en bois faible. Les carreaux craqués... Oui, d'accord. Et alors oui, quoi? On peut la casser? On peut déboulonner? Bien, excusez-moi. Je suis pas un très grand joueur PC, alors des fois j'appuie mal. Je veux bouiner ça. Vous ne pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. Ah, regardez, il y a du mamadou derrière. On peut le bouger, ça? D'accord, je vais jeter un truc dessus. On va chercher une caisse. Que cela ne tienne. Regardez ça. Vous êtes prêts? Et voilà! Et on va passer par dehors. Allez. Croche-toi un tout petit coup. Voilà. Ok, et on peut passer par là. Oh putain, on progresse. Alors le jeu sauvegarde tout seul. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de pas regarder. Ah, c'est bon. On peut rentrer dans la petite pièce.
ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça sera mon tour? Ne me suis-je pas montré réservé? Ma patience a duré des siècles. D'où je viens, les hommes ne gaspillent pas un souffle en vain. Pourtant, je m'incline devant toi. J'ai fait tellement pour toi et je n'ai rien eu en retour. Agrippa, je t'ai fait confiance. C'est moi qui, en toute justice, aurais dû traverser cette porte. Alors, on ne sait pas de quoi il parle. Ok. Une espèce de... Ah, là, j'ai trouvé une petite manivelle. Ah bah, elle va nous servir là, elle va nous servir ici. Attendez, je la repose là. Merde, si je la fous par terre, ça... Si déjà on n'est pas consensueux avec nos affaires, on va mettre ça là. Ah, il y en a deux même. Il y en a trois. On peut pas mettre un peu de lumière ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames. Bon, on se souvient, à l'entrée... On a du dispositif d'engrenage. On a de l'engrenage. Ici. Ah bah on a du dispositif d'engrenage aussi. C'est quoi ça? Ramasser tiges du cycle d'écoulement. D'accord. Manuel de l'ascenseur. Ah bah voilà. Si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine. Ok, si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la caser dans la machine. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer haut 8 et bas 8. Je vais le noter vite fait. Sur mon petit calepin magique. Haut 8 et bas 8. Oh. En même temps, j'aurais pu m'en souvenir. Les mètres, hein, voilà. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction de l'ensemble de vapeur ternière, amplitude tétraphrasée, cycle complet d'écoulement. Notez que les machines ne vérifieront pas l'exactitude. Ok. Exactitude, configuration, tant que toutes les tiges n'auront pas été insérées. Il en faut... Ok. Je reviens tout de suite. J'arrive. Hop. Ah, on est back. On est back. On est back dans les bacs. Excusez-moi pour ce petit moment de flottement. Alors, on en revient là. Alors, si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine, ok? Donc, il va falloir qu'on utilise la machine à vapeur. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer haut 8 et bas 8. Ok, avec les chiffres romains, faut qu'on fasse 8, quoi. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction de l'ensemble de vapeur ternaire, amplitude tétraphrasée, cycle complet d'écoulement. Notez que les machines ne vérifieront pas l'exactitude de la configuration tant que toutes les tiges n'auront pas été insérées. Oh, putain, mon dieu. Bon, là, il y a aussi du boulon, du... Voilà. En fait, on peut les prendre, mais ça ne sert à rien, quoi. Tout à l'heure, je croyais avoir découvert quelque chose. En fait, il n'en est strictement rien. Le baril ne contient pas d'huile. Ah non, ok. Il me donne deux messages en même temps. Il me dit, je te donne de l'huile, puis après, il me dit, j'en ai plus. Bah oui. Tu m'en donnes, c'est que après, t'en as plus, oui. Et oh, faut qu'on arrête avec un petit peu avec la lampe, là. On va tout gâcher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Bon, encore. Eh oh, t'ouvres, mon coquin. T'es gentil? Attendez, ça va pas là. On est en train de crever. On peut allumer quelque chose ici? Allez là. Allumer ça. Ah, j'en ai 13. On peut bien en utiliser une petite. Surtout qu'on va en avoir là. S'il veut bien s'ouvrir. Ah, oh, mon dieu. Salut Samus. Merci pour le follow. Ça me fait très plaisir. Si alors tu vas vite découvrir mon skill. En tout cas, bonsoir à toi. Hop. Et hop.
De l'amadou. Allez, on en allume une, hein. On arrête d'être économe. Bon, il nous demandait de pouvoir faire le tour. On a fait le tour, là. Est-ce qu'il nous le dit encore qu'on doit faire le tour? Oh, le bemento. Les décombres liés à un éboulement gênent l'accès au stockage. Non, voilà, c'est bon. Trouver un moyen de passer. Faut qu'on se rende au stockage. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Là, on a tout fait dans l'étude, hein, je pense. On pourrait parler comme ça comme un bourgeois, mais c'est un peu ça. On a tout fait dans l'étude, je pense. Allez. On a eu le fonctionnement de la machine. Je pense que les petits messages que l'on trouve... Ah, là, il n'y a rien. Les petits messages que l'on trouve, comme ça, je pense qu'on peut avoir encore accès une fois qu'on est dans notre journal. Hein. Mais ça, c'est curieux, c'est cette petite machine. Hein. Oui, je pense que Samus Aran mérite la mouche. Elle veut pas se lancer, ma mouche? Quelle est donc cette diablerie? On quitte ça et je te mets tout de suite la mouche, rien que pour toi. Je pense que tu mérites. Alors, je lis d'abord. Quand est-ce que ce sera mon tour? Ne me suis-je pas montré réservé? Ma patience a duré des siècles. C'est long, des siècles. Hein. D'où je viens, les hommes ne gaspillent pas un souffle en vain. Pourtant, je m'incline devant toi. J'ai fait tellement pour toi et je n'ai rien eu en retour. Ça, c'est le genre de choses que j'ai pu penser dans ma vie. Hein. Agrippa, je t'ai fait confiance. C'est moi qui, en toute justice, aurais dû traverser cette porte. Ok, donc il y a eu traversage de porte, l'un regrette. Alors la mouche, pourquoi elle marche pas la mouche? Ah bah si, elle marche, regarde. Allez, c'est pour toi. Samus Aran. Metroid. Hein? Si je suis pas trop bête. Non, 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 de quoi? De caisse? Qu'est-ce qui... Oh mais non! Ah là, il y a eu tombage, là. Mais pourtant, j'ai sauté. J'étais accroupi. Oh, ça va, ils sont cool. Ils sont cool. Je crois que j'étais accroupi. Attendez, on vérifie ça. Ah non, j'étais pas accroupi. Pourquoi il a eu peur comme ça? Fallait prendre un peu d'élan? Attendez, il a pris en compte tout ce que j'ai fait. J'ai un doute. J'ai un affreux doute. Je vais voir. Ouais, non, c'est bon, il a pris en... Non, non, c'est bon. De toute façon, on n'avait rien fait. J'étais en train de paniquer, il a pris en compte, il a bien sauvegardé, mais en fait, on n'a rien fait, donc... La limite, c'est même pas très grave. Allez, regardez-moi ça, cette dextérité. Ah. Je regarde quand même s'il n'y a pas une autre petite fenêtre. Non, non, c'est bon. Bon, bah, l'étude nous a appris comment servir de l'ascenseur, quoi. Il faut mettre 8. Allez, on se casse. On retourne au patio. Pour le coup, je fume un petit peu. Cette lettre étrange m'a effrayé, mais c'est également la seule qui ait pu me donner un peu de réconfort. C'est la seule pièce où je me sens un peu à l'aise. Bon, on retourne à la salle de stockage. On était d'accord. Alors, je crois qu'elle est... elle est par là. Donc, haut en bas... Oui. Hop. 8 en bas, 8 en haut. Bon, on va faire ça avec les chiffres romains. Pas la salle de stockage, non. On va à la salle des machines. Ah, il me parlait de la salle de stockage. On va voir. Regardez-moi ça là. Bon. Si on n'est pas trop con. On baisse tout déjà. Ok. On pourrait faire ça. Là, on a 4. On peut rajouter 1. 5. 6, 7, 8. Là, ça fait 8. Mais est-ce qu'on a 8 en bas aussi? Ah non, là c'est 1. Alors, 5, 6, 7, 8. Bah c'est bon. On a 8 en bas, on a 8 en bas. Ah, merci Romain, j'aime beaucoup cette pauvre mouche. Bah, je t'en prie.
Ça me fait plaisir. Donc là, on a réussi à faire 8, hein. Vous êtes d'accord? On a 3, 4. On a 4 et 4, 8. Et en bas, c'est ça, hein. 5, 6, 7, 8. Bon, est-ce que ça a changé quelque chose? Bon, ça sera pour l'ascenseur. Alors peut-être qu'on s'en rendra compte que quand on lancera l'ascenseur. En tout cas, ça c'est bon. C'est une affaire qui roule. On a toujours pas de combustible. Je regarde à nouveau. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Les décombres liés à un éboulement gênent l'accès au stockage. Trouve un moyen de passer. Voilà, faut qu'on aille au stockage. L'obscurité de la salle de stockage semble étrange et anormale. Et après à l'ascenseur. On se rebarre. Mais au moins, on a fait le 8. Hein. On a vu que c'était possible. Et on l'a prouvé. Je voulais pas oublier, au moins ça sera fait. Donc là, on se souvient, c'est la salle des machines et nous on veut la salle de stockage. Bon, elle se trouve en face. Vraisemblablement. Voilà. Ah bah non, pas en face. Là, on est sorti par là. Voilà, enfin quand je dis en face, je pensais qu'on allait ressortir par là, mais voilà, c'est ça en face pour moi. Mais là, il y a eu... On peut toujours faire des petits clapotis dans l'eau, mais... Rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Là, on va au stockage. Stockage. C'est là où on était tout à l'heure, hein, puis qu'on a eu peur. Faut dire les choses. On a eu peur. On a eu peur, on est remonté. Là. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un petit truc qu'on peut tirer, mais non. C'est une erreur de perspective. Bon. Ah, il y avait une petite main là. Oui, mais c'était pour la caisse. Alors. On va faire dans l'ordre. Voilà. Là, quand il y a deux chandeliers, c'est marqué quoi ici? Pièce de machine, ok. Comme le petit poussé, quoi. C'est là où on est bloqué. Faut qu'on trouve un autre chemin. Ok, faut qu'on trouve un autre chemin pour aller en bas. Bon, ça doit être ici. Ça ne veut pas bouger. Et ben on utilise la perceuse. Enfin, la perceuse, vous avez compris. Merde, c'était écrit quelque chose, j'ai pas lu. Vous ne pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. Bah si. Si, on peut. J'ai envie d'allumer tout, hein, ça m'agace. On peut pas utiliser cet objet de cette façon. Bon, on va essayer de... Ça s'ouvre pas, ça. Ce sera un pauvre coffre qui... Ah! Ça nous a permis de trouver du mamadou par contre. Hop. Et là, on va vers où? On va vers l'équipement. On a déjà la perceuse, hein. Bon, j'aimerais bien allumer quelque chose. Il y avait deux choses. Il y avait deux choses à faire dans la salle de stockage. Il disait qu'il fallait trouver un autre chemin. Et autre chose, les décombres liés à un éboulement gênent l'accès au stockage. Trouver un moyen de passer. Voilà, faut qu'on trouve. Voilà, c'est notre mission. Mais là, il y en avait un deuxième, mais on a dû le faire. Je sais plus ce que c'était. Il y avait un espèce de brouillard, mais a priori, on a trouvé la solution. Je sais pas comment. Trouver un moyen de mettre en. Voilà, bon, bah. Voilà, les décombres liés à un éboulement gênent l'accès au stockage, trouve un moyen de passer. Ok, donc c'est ici. Il va falloir qu'on bouine quelque chose avec ce qu'on a. C'est-à-dire, pas grand-chose. On a juste une raviole. Une perceuse manuelle. La veuve est rouillée. Marqué quoi là? Secondaire.
Attendez, attendez, attendez. Je veux utiliser mon jeu. Il m'en faut. Il m'en faut. Vous l'avez pas vu ça? Oui, c'est pas grave que ce soit rouillé. Pas grave. Aucune utilité, la valve est rouillée. Oui, mais j'utilise ça pour la dérouiller. Il nous a dit dans nos notes qu'on avait besoin d'un truc secondaire. Je suis pas fou. Note. Regardez ça. Ah non, fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. J'avais compris secondaire. Amplitude tétraphrasée, cycle complet de l'écoulement. Non, non, autant pour moi. Donc on s'en fout. On s'en fout, pardon. Je vais encore dire que ça me paraît curieux. Vous me connaissez. Mais ça me paraît curieux. Bon, là, on a pas besoin. On a déjà une petite loupiote. Ici, y a rien du tout. En fait, c'est ici qu'on a trouvé les éléments qui nous ont permis de faire la manivelle. On se souvient maintenant. Oh, regardez, en plus ils ont mis une bougie ici, c'est sûr qu'on peut on peut faire quelque chose. Ça nous donnerait du combustible. Le combustible, il est là, évidemment. Tige du cycle d'écoulement. Une pièce. Ah, mais oui, on a ça! Une pièce de machine fabriquée à partir de bois et de métal. Il nous en faut 3. Il va nous en falloir 3. Je sais plus ce que c'était la note concernant les tiges. Non, non, non. Évidemment que non. Voilà, note sur les machines. Notez qu'il y a seulement 2 tiges disponibles en stock pour la machine de l'ascenseur. Assurez-vous de mettre à part celles qui sont défectueuses et de garder les autres dans la salle d'études interne au cas où les 3 se fissureront à nouveau. Ok, donc il y a seulement 2 tiges disponibles en stock. Alors c'est sûr que le combustible, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la... On sort de ce guet-apens et on va utiliser la tige. C'est agréable quand tout est bien allumé. Moi, ça me plaît. Excusez-moi pour le bruit de la cigarette. Non, bon, on retourne à l'ascenseur. Enfin, pas à l'ascenseur, à la salle des machines, et puis on va essayer d'utiliser la tige. Peut-être qu'il en faut qu'une dans le bon endroit. Pourquoi j'avais compris qu'il en fallait 3, je suppose. Moi qui déconne. C'est tout simple, hein, mais bon, faut savoir faire dans l'ordre. Je suis convaincu que le truc nous donne du carburant. Il est rouillé. C'était ici, hein, qu'on avait dit déjà le. Oui, c'est ici, hein. Non, là on a tout bien fait, on a fait 8, hein. Voilà, c'est la pression, on a bien mis 8. Là on est bon. On va tourner ça. Non, il n'y a rien d'autre à faire. On est bon là, on est bon. Pas flagrant, mais on est bon. Une porte là? Ah bah oui, c'est... Ah là là. C'est là d'où on vient. Thank you.
Voilà. Alors. Là, on peut utiliser la tige. Ok, on peut la mettre dans les trois. En fait, il en faut trois. Ça sert à... Voilà, j'ai fait ça, mais ça ne sert à rien. Bon, on va mettre un petit peu de lumière ici. On aurait loupé deux autres trucs. Ah, fou. Ça me paraît fou que j'ai pu être aveugle comme ça. On aurait dû allumer celle-là, qu'est-ce qu'on est bête. Elle était bien mieux placée. Rends-moi mon ado. Je vais le remettre là. Rends-moi. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, il faut qu'on en trouve deux autres. Je sais pas comment récupérer le combustible. Si c'est rouillé. Si j'arrivais à comprendre où utiliser la perceuse, ça serait fantastique. Ça serait fantastique. On pourrait mettre du combustible. Il n'y a rien dans le brûleur pour qu'il puisse s'allumer. Est-ce que je pourrais mettre dans le brûleur un livre? Ouais, on n'a qu'une perceuse manuelle et une aiguille creuse. Oh, c'est curieux quand même. Moi, ça m'agace ça. On a du charbon, du machin. Ah ben voilà! Putain, mais je suis bête à ce point. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait ça? Plus de charbon, bien sûr. Qu'à ça ne tienne. Pourquoi j'ai pas cliqué dessus? Bah, parce qu'il n'y a pas de main. Là, il y en a de la main. On va y arriver, hein. Je vais remettre un coup, hein. Je me doute qu'il va encore me dire que j'en ai pas mis assez. À le connaître le jeu là. Ah, on referme. Allez. Bon. Et maintenant j'actionne ici. Les mécanismes ont besoin d'être plus travaillés pour voir fonctionner. Qui n'entend pas de plus travailler. Je comprends pas. Ça veut dire quoi, les mécanismes ont besoin d'être plus travaillés. Là j'ai tout bien fait. Là ça crame bien. Hein, voilà, c'est propre. C'est du bon travail ça. Il faut que je le mette en hauteur. Il y a un truc qui gêne. J'ai une perceuse. Je comprends pas. Yene comprend pas. Je comprends pas cette phrase. Le mécanisme a besoin de plus travailler. Je comprends que... Ça veut dire quoi? Ont besoin d'être plus travaillés. Ils ont besoin de plus de fonctionner, oui d'accord, mais pourquoi ils fonctionnent pas alors? Il n'y a pas assez de... Il nous faut les trois tiges quoi. Je vais relire la note à propos des tiges. Ils disent qu'elles sont où? Memento, pardon. Dans les notes. Lettre expérience animale, les derniers mots de Willem, note sur les machines. Notez qu'il y a seulement deux tiges disponibles en stock pour la machine de l'ascenseur.
Assurez-vous de mettre à part celles qui sont défectueuses et de garder les autres dans la salle d'études interne. Mais on en a trouvé qu'une dans la salle d'études. Au cas où les trois se fissureraient à nouveau. On aurait loupé dans la salle d'études les deux autres ? Il ne manquerait plus que ça à faire. Hein. En même temps, j'ai une perceuse. À quoi me sert là ? À quoi pourrait bien me servir ? Non, parce que je suis pas aveugle. Ok, on s'est remis un peu d'huile. On s'est remis un petit peu d'huile. Dans la salle d'études, non, on a tout fait. Je comprends pas le truc de la salle de stockage. Je pense que ça va, tout va se débloquer si on réussit le truc de la salle de stockage. On progresse mal, mais on progresse. À chaque fois, on fait des allées-venues entre les deux, entre la salle des machines et la salle de stockage. Mais bon, petit à petit, on remet la machine en route, quoi. Je retourne à la salle de stockage. J'ai un petit moment de flottement. Oui, voilà. Là, c'est la salle des machines. Voilà. Bah, tout, les murs se ressemblent, alors. Forcément. J'ai un petit peu des... J'hésite. Voilà, là, on va mieux m'entendre. Forcément, j'hésite un peu. J'ai quelques hésitations. Bon, je pense que la manivelle va nous servir ici, hein. Parce que sinon je ne vois pas comment faire pour progresser. Je pense que la liste est hiérarchisée. Hein. Hein. La liste est hiérarchisée. Les décombres liés à un éboulement gênent l'accès au stockage. Trouver un moyen de passer, voilà. Allez, faut qu'on trouve un moyen de passer. On va trouver un moyen de passer. C'est ici hein, que c'est bloqué. Hein. Peut-être qu'on n'est jamais venu là. Ah oui, on n'est jamais venu, il y a une note. On va allumer. On peut bien allumer. Voilà. On va le lire celui-là parce que... À propos du mélange explosif. Alexandre. Si on lit pas les notes, c'est sûr qu'on va pas y arriver. J'ai préparé les explosifs dont tu avais besoin pour dégager l'évacuation de l'eau de pluie. Je ne peux pas plus insister sur le fait qu'il est très important que le mélange soit manipulé avec soin. Essaye d'en avertir vos serviteurs et cervelés avant de continuer vos plans. Les liquides ne sont pas explosifs en soi et ils devraient être maintenus séparés pour éviter d'autres incidents. J'ai arrangé deux grandes cuves dans la salle d'à côté pour les ingrédients. Tout ce que tu as à faire est de mixer les liquides pour pouvoir commencer. Très bien. Un peu de d'amadou. Très bien. Jette un petit coup d'œil. Hein. Si on n'est pas curieux, ça sert à rien de jouer au jeu. Hein. Curieux. Pas de curieux dans la vie. Ouais, voilà. Mais pourquoi c'est éteinte? Je l'ai pas allumée celle-ci? Ah, primaire! La valve est rouillée. Mais oui, mais on s'en fout que ça soit rouillé. Mon bon ami. Ça
c'était primaire. Ah non, il nous faut du tertiaire. Secondaire, il est où le tertiaire? Me souviens. Pardon. Voilà, assurez-vous que le fait paramétrant fonction de solution, fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. Pourquoi je pense toujours à tertiaire? Bon, en général, quand il y a. Il y en a un troisième, secondaire. La valve verrouillée, oui, la valve verrouillée. On a tous nos soucis. Primaire, ok, secondaire, il doit y avoir un tertiaire. Ça, on peut pas le forcer. On va faire un trou. Bah voilà. Un récipient nécessaire pour le liquide. Bah voilà, j'ai fait un trou dans le tonneau. Ok. Ramasser flacon partiellement rempli. Bah partiellement rempli, moi je veux bien le remettre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut refaire un trou et ça va nous exploser à la gueule. on a trouvé, hein. C'est ça qui est sympathique. Voilà, bon là ça va être dangereux par contre. Ramasser l'explosif d'Agrippa. Ah voilà, bravo. Bravo Romain. Allez, pas par où on va. Allez, je vais redescendre. Peut-être remonter. Peut-être remonter pour mieux redescendre. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Là, il y a les deux torches. Bon, on va y arriver. Hein. C'est une affaire qui roule. Hop. Explosif d'Agrippa, un mélange très volatile. Et heureusement qu'on a lu. Conseil, ne restez pas trop près de l'explosif. Oui, d'accord. D'accord. Et il détonne quand aussi? Intrigue ça. Ne déclenchez pas l'explosif avant d'être en dehors de la zone d'onde. Ah oui, faut qu'on se barre. Et comment on le déclenche? Ah, il faut lancer quelque chose dessus. Voilà. Petit caltar par exemple. Pardon. Sinon on prend une caisse, hein, ça va être... On a moins de chances de se louper. Oh mon dieu. Voilà, allez viens là. Viens là ma belle. Allez viens là ma belle, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Allez on se barre. Très bien. Très bien. C'est une affaire qui a rondement mené ça. Pour la peine, on met un petit coup de... Et puis on est remboursé aussitôt, donc ça c'est parfait. Stockage de nourriture.
Bon, je mets un... Non, mais on va pas remettre. Là, il y a une corde. On s'en fout. Pendant qu'il est pas là. Quoi? Il va nous tuer. Il y avait rien? Pourquoi il nous... Il y a peut-être rien à faire, hein. C'est fait, il y a eu problématique. Pièce de la machine. Ah. Oula. Mon dieu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va falloir courir comme un dément. Voilà, on a trouvé les deux autres. Ramasser tiges d'amplitude tétraphasée. Ramasser tiges pour vapeur ternaire. Et ça. S'il n'y a pas un ensemble de trois tiges disponibles, il en reste un dans la salle d'études intérieure. Bon, on l'a déjà. Qui pourrait fonctionner au cas où l'ascenseur tombera à nouveau en panne. Sauf en cas d'extrême nécessité, utilisez toujours la tige disponible dans la salle de stockage avant d'en utiliser une qui a été réparée. Bon, là j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on court. Je sais pas pourquoi. Ah non, on peut pas se barrer, donc il va falloir repartir par où on est venu. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est bon, on a le... Il est là, hein. Je suis pas fou, je l'ai vu. Allez, on se dépêche. Passer derrière lui. La technique est pas trop mal. Allez, on s'en va. C'est bon. Foiré! Je vois plus rien. Merde, je suis pas dans le bon sens. Ah ouais, c'est bon, on est mort. Bon, c'est pas grave. Le jeu sauvegarde à chaque fois qu'on a... Il va nous remettre au bon endroit. Voilà. C'est tout droit, hein. Putain, il était juste derrière nous, hein. C'est bon, on n'a plus rien à faire dans la salle des machines. Oula. Oula, regardez, il y a du nouveau mucus. Mon dieu. Et là, il y a eu enfantement. Il y a eu El Amiba. Magnifique. Il y a du sang qui coule. Maintenant, il y a du mucus ici. Bon, j'appelle ça du mucus, mais... Appelez ça comme vous voulez, hein.
Donc faut qu'on retourne à la salle des machines. Elle est là. On a tout là. On a tout bien. Ça fera une belle VOD. Bon, il faudra que je coupe le moment où je me suis absenté. Mais ça fera une belle VOD. Sur YouTube, ça va faire une belle VOD. Content. Et oula, oula, oula. N'aie pas peur. N'aie point peur, jeune ami. Tout se passe bien. Voilà. Regardez-moi ça, la mouche encore. Allez hop, la mouche et ma mouche. Qui va l'emporter? C'est rigolo ça, ces cancres là sur l'écran. Ça fait un peu peur. Bon, non, c'est pas ici. Faut qu'on redescende. Ça c'est bon, ça c'est une affaire qui roule. On a fait 8 et 8, c'est bon. J'ai un expert moi dans les chiffres romains. Je m'appelle Romain. Oh. Faut déconner là, on déconne pas avec les chiffres romains. Bon bah voilà, maintenant on met les 3. Tic. Alors, il y a un ordre. Hein. C'est pas ça. Allez, je les reprends. On va lire la note. C'était tout simple. Non, pas celle-là. Manuel de l'ascenseur. Voilà. Alors, fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. Alors, ternaire, tétraphrasé, cycle, écoulement. Ternaire, tétraphrasé, écoulement. Ternaire, tétraphrasé, écoulement. Alors, ternaire. Tétraphrasé. Ah mon dieu. Écoulement. Bah, c'est bon. Normalement on peut prendre l'ascenseur là. On va retourner voir la machine. Est-ce que la machine elle tourne là maintenant? Ma belle machine. C'est bon là, t'as assez de puissance là. Allez ma belle machine. Oh mais pourquoi? C'est quoi cette diablerie encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? On dirait comme un puits, faut qu'on fasse comme ça là. Je sais pas. Les mécanismes ont besoin d'être plus travaillés pour pouvoir fonctionner. Pourtant j'ai bien mis dans le bon ordre là. Ternaire, tétraphrasé, écoulement. Il y a moyen de voir à quoi il ressemble pour voir dans... Non. On peut essayer dans l'autre sens. Hein. Pas l'impression que ça change grand chose. Est-ce que c'était capital le... l'ordre. Assurez-vous que le feu est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. Amplitude tétraphrasée, si complet d'écoulement. Notez que les machines ne vivront pas l'exactitude, voilà, de la configuration tant que toutes les tiges n'auront pas été insérées. Ah. Alors je pense qu'on a peut-être merdé au niveau de ça. Haut 8 et bas 8. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer haut 8 et bas 8. On va retourner voir. On va retourner voir. On va pas se faire avoir par un petit jeu. Un petit jeu de 2010. Ternaire, tétraphrasé, écoulement. On recommence. Ça, c'est sûr que c'est ça. Ternaire. Tétraphrasé. Écoulement. Bon, c'est bon là.
Ça se trouve l'ascenseur il marche. Non, il faut mettre la machine en route. Évidemment. Évidemment, mon Romain. Alors, c'est ici qu'on n'aurait pas bien fait. 8 et 8. Bah là, on a 3. Bah alors, mon bébé. Un petit bébé qui pleure. Bah, il a 3 semaines. Alors. Bon, c'est vrai que là, il est tout nu dans de l'eau froide. Bon. Peut-être pour ça qu'il chiale un peu. Alors, 3. 4. Là, on est bien d'accord que là, bâton et V. On est bien d'accord que c'est 4. Donc, on a 8 en haut et 8 en bas, là. On a tout bien fait là. Essaye de comprendre. Et là en bas on a 1, 6, là c'est bien 6, 6, 7. Attends, bah, c'est peut-être ça. C'est 6, 7, 8, 9. Ah oui, ça va pas. Ok. J'ai compris. Alors 6. On peut avoir que... Ouais, ça peut pas être 6. Voilà. Le 6, déjà, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait... il nous faut 3 leviers. Ok. Le 6, c'est... ça va pas. En même temps, on est obligé de l'utiliser, le 6. Peut-être pas. Ah bah si, on est forcément obligé de l'utiliser. Donc si on est obligé 6, on peut utiliser que... que 2. Ouais, mais il y aura toujours trop. 6, 7, 8. Ah, attends, il y en a 2. Là, il y a 2, 2. Attendez. Les chiffres se répètent pas, hein, forcément. 2, 3, 4. Non, faut pas qu'on utilise le 6. Le 6 il est impossible. 1, 2, 3, 4, 5. Non, attendez. On va y arriver. Hein. Le mieux c'est de faire celui du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on met 5. Allez, coquin. Là c'est bon. 5, 6, 7, 8. Et en haut, 5. Attends. Oh, putain, on a trop. Alors, faut faire la même chose, mais comme ça. Tic. Il faut inverser avec celui-là. C'est difficile à décrire. Voilà. L'écoulement est constant et stable. Voilà. Allez. Bon, la machine va fonctionner là maintenant. Tout est bon là. Maudite machine. Putain, on va prendre l'ascenseur, hein, c'est sûr. Bon, ça c'est bon aussi. On n'a plus qu'à aller actionner le levier là, normalement. Heureusement que je suis supérieurement intelligent. Voilà. Hein? Oh mais non, là c'est pas possible. Bon, là, il y a du combustible. Qu'est-ce que tu... De quoi? De caisse? On va... Non, je fais ça, ça sert à rien, évidemment. Ok, un besoin d'ajouter plus de charbon, ouais. Alors, la machine a besoin d'être plus travaillée. Qu'est-ce que t'entends par là? Ah, j'ai reçu un message. Un message de Robert Hu. Bienvenue dans ma newsletter. Oh, on verra ça plus tard. La machine a besoin... On n'a plus que ça à faire, attendez. On regarde nos objectifs. Parce que c'est ça, le memento. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Voilà, c'est bon. On n'a plus que ça à faire. Hop. Alors c'est un truc tout bête, là, hein. Qu'est-ce qui bloque la machine?
Attendez, on va jeter un coup d'œil à la machine. Qu'est-ce qui ne va pas? Faut que je reste plus longtemps en bas? Ah ouais, mais d'être plus travaillé, comment veux-tu que je les travaille plus? La vapeur là, elle arrive bien. Je la vois. Ah, j'étais quasi sûr de mon coup là. Je suis déception là. Ça ne va pas au niveau du. Au niveau de ça, on a mal mis. Ternaire, tétraphrasé, écoulement. En même temps, il nous a pas dit que c'était bon, hein. Allez, on les met un peu au pif. Non, à chaque fois qu'il y a une bonne solution, il nous le dit. Ah voilà, toutes les tiges sont en place. C'est bon là. Oh putain, on les a mis complètement au pif. Bon là, la machine, normalement, ça doit carburer là. Regardez, il y a de la vapeur partout. On a chaud, on a chaud. Allez, là c'est bon. Tu nous fais pas de fausse joie là. Voilà. Alléluia. Hein, comme disaient nos ancêtres, les Gaulois. Bravo, bravo. On le redira plus tard, on s'en va. L'ascenseur fonctionne. On va pouvoir. Oula, oula, il y a du mucus. C'est devenu mucus. Oh là, bah oh, on se connaît à peine. Et oh là, on se connaît à peine, je t'ai dit. Allez, retourne au patio. Patio pour patienter. Le professeur Taylor était la seconde victime décédée à cause de sa maudite curiosité. Bon, très bien. Oula. Allez, on va à l'ascenseur tout doux. C'est-à-dire tout doux, on touche pas le mucus. Eh ben, on aurait réussi quand même. De Dieu. Fou cette histoire. Regardez-moi ça. Et voilà. Ah putain, 2 heures. 2 heures pour mettre en route ce maudit ascenseur. On a réussi, la mouche pour la peine. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent parce que finalement ça s'est quand même relativement bien goupillé. Pas mécontent de moi là. Bon, on descend dans les abysses là. Il y a du mucus partout, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est moi qui ai arrêté l'ascenseur? Oui? Non, mais je peux l'arrêter. Oula, 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 oula. Oula. Ah là, il y a eu accident, là. Les domestiques l'évitaient, mais ils savaient qu'ils étaient là. Ils sentaient tout le vin épicé, un arôme mystique imprégné de clous, de girofle et de sauge. On a eu un accident d'ascenseur. Magnifique. Magnifique, on a réussi, on a réussi. Bon, après, bon, voilà. On a bien progressé là. Hein. La salle des machines, l'ascenseur. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Mon dieu. Bon, je mets un petit peu de mamadou ici. On vient d'arriver. On est un peu piégé. Bon, pas pour longtemps, j'imagine. Allez, on en allume 2, comme ça, on sait que c'est le hub. Hein? On se souviendra. Alors, on a perdu là des mamadou pour rien, parce que regardez, on peut. Allez, viens là, ma grosse pierre. Viens là, ma belle. Elle est lourde, mais elle est douce.
Elle est lourde, mais elle est douce. Allez, viens là. Bon, maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Alors, la physique, non, je me faisais chier au début. Là. J'en suis désolé. Hein. On a perdu du temps, hein, je sais bien. J'en ai conscience. Hein. Premier. Je suis le premier qu'on ait conscience. Oh, ben, on peut tout virer comme ça, Manu Militari. Non, les grosses pierres, elles sont trop douces. Ah non, il faut quand même qu'on déblaye à la main, hein, carrément. Allez, viens là. À moins qu'on puisse complètement faire ça déjà. Voilà. Voilà. Allez, on saute. On sautille. C'est pas vraiment sauter, c'est sautiller là. On sautille. Allez, on va pouvoir passer. Alors, il a dit qu'il était le gardien du donjon, hein. C'était ça? C'est ça l'idée? Moi je veux bien, mais j'aimerais bien que ça aille vite. Mon dieu. Mamadou. Bon, c'est pas par là. J'en mets un pour montrer que c'est pas par là. Ce qui est une très mauvaise idée. Hein. Et de la lumière là. Il y a un truc à ramasser. On a un marteau. Très bien. On a un marteau. On va pouvoir marteler. Là, on peut l'ouvrir celle-là. Oh là, oh là. Je veux utiliser mon marteau là-dessus. On ne peut pas utiliser l'objet de cette façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Répondez, j'appelle la police. Qu'est-ce qui me... Il a peur, il a très peur. Bon, je vous cache pas que moi, que les petits sons partout là, c'est pas... Ils sont pas au mieux non plus. Bon, j'ai un marteau. Ouais, là, mon personnage est complètement... attendez, on va regarder ça. Comment ça se passe au niveau de la tête? L'équilibre mental, c'est 3 petits points. C'est quoi ton équilibre mental? 3 petits points. La santé, quelques coupures et contusions. Bon, ça on a l'habitude depuis le début du jeu, c'est comme ça. Hein, on va pas se mentir. Bon là je reviens ici mais ça ne sert à rien. Ah si, on a de l'huile. On a de l'huile de coude. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah mais on peut l'ouvrir, mais qu'est-ce que je suis con. Ah non il veut pas. Allez, le marteau! Déjà, on se remet un peu d'huile. La perceuse manuelle, ça servira à rien, là. Vous ne pouvez pas l'utiliser de cette façon. Et la perceuse? Bon, allez, c'est pas ça. Les enfants, c'est pas ça. On a tes bêtises. Peut-être qu'on a loupé une porte. Non, j'ai pas l'impression. Ah, là, il y a des escaliers, par contre. Ah, il dit de se cacher, mais comment veux-tu que je l'évite lui? Il me suit là? Ah, il me voit pas. Ah, bah s'il me voit. Tu me parles qu'il me voit pas. Oh mon dieu. Vous devez continuer. Avant, je faisais l'erreur de pas lire, c'est des indices. Ah bah oui, on doit continuer. Bah on va continuer. Ok. Allez, on recommence. On a le marteau. Oui. On a le marteau. Qu'est-ce qui est écrit là? Zone de cellule 1, ok. On prend l'escalier. Si on se prend un coup, c'est pas grave. C'est fermé à clé, la serrure est normalement très rouillée et faible. Ok.
Attendez, la dernière fois, on a ouvert une porte comme ça. Il faut quoi? Il faut faire quelque chose d'autre. Bon, je mets une petite, je mets du Mamadou ici pour qu'on se souvienne qu'il faut, il faut ouvrir cette porte. Ah. Where is she? Where did she go? No. Oh, tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Excusez-moi, j'avais coupé le micro un tout petit peu trop tard, donc vous avez entendu, mais... Ah, il y a quelque chose derrière. Ah bah il y a un pieu. Très bien. Allez hop, un ciseau. Ah, excusez-moi, je suis pas coutelier. Hein. Allez, on retourne. Ici. On va mettre le ciseau. Un ciseau de pierre. Voilà, c'est fermé à clé, la serrure normalement très reliée, faible, voilà. C'est bon, c'est l'histoire ancienne. Petite musique de congratulation. Ça nous a servi à quoi de venir ici? Si ce n'est d'avoir de l'huile. Et des os. Juste pour avoir de l'huile. Il a peur, il a peur. N'aie pas peur. Faut qu'on monte. Allez, baisse-toi et marche. Amadou et du Lundanum. Bon, ça on peut pas. Là, on peut descendre encore. On est de l'autre côté là. Un canac qui est en bon état. Eh ben, on va le défoncer. La santé ok et ma tête est au bord d'explosion. Bon. Oula, qu'est-ce que je fais? On va en mettre un là pour se souvenir qu'il y a une porte. Ça on l'a fait, y a rien. Y a un éboulement. Ok, donc il va falloir casser le cadenas. Alors peut-être pas hein. Allez mon coquin. Pourquoi des fois il veut bien le prendre et des fois impossibilité quand on n'est pas à genoux. Ça c'est quelque chose qui m'échappe. Évidemment je suis trop près. Alors sur Switch à jouer ça doit être galère hein. Je voulais le prendre sur Switch mais il n'est pas en version boîte. Donc quand c'est pas la version boîte, moi j'achète pas. Moi j'aime bien avoir mes jeux physiques. J'aime pas la location de jeux vidéo. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. On n'a pas le temps d'agrandir le trou. Someone is coming. Hurry, I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Eh voilà, heureusement qu'on écoute tout. Il y a un trou derrière le lit. Ah mon dieu, prison bloc nord, allez c'est parti. Le trou est trop petit pour s'y glisser à travers. Alors comment on peut faire? Il faut l'agrandir. On peut l'agrandir avec notre burin. Oui. Bah allez c'est parti. Prison bloc nord. Oh mon dieu. C'est pas du bien joué ça hein, comme disait Hooper. Si c'est pas du bien joué quoi, qu'on écarte-t-elle. Mon dieu.
J'aimais pas ce passage-là, hein. C'était un peu stressant. Hein. On est à prison bloc nord maintenant. Il faut qu'on se mette à genoux. Allez, n'aie pas peur. Ah non. On peut pas s'agenouiller ici. Bon, on va à la gauche, on va à droite. Allez, on va à droite. Ah ben on a bien fait. Non mais on peut pousser tout là. Et on peut passer là, non? Allez, viens là, n'aie pas peur. Voilà. Hop. On est sur pied. Cuisine. Allez, on va à la cuisine. Combien on en a de l'Udanum? Allez, j'en mets une là, comme ça on se souvient qu'on est passé par ici. Hein. Allez, on est dans la cuisine. Petite lettre. 2 August 1839. I've arrived. I've arrived. Allez, on le passe. On le passe. On lit que les notes. On se fait notre, on va se faire nous-mêmes notre avec notre imaginaire l'histoire. De toute façon, il y a assez déjà de background. Il n'y a pas besoin de lire. Ramasser de l'Undanum, ok. Ça, là, il y a une petite concoction. À quoi? C'est à base de rats. C'est une sacrée forme d'acide. Ah bah, bah bravo. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Au cas où une tige serait manquante. Non, pardon. Que j'ai fait n'importe quoi, c'est Memento que je veux. Il y a un baril rempli d'acide dans la cuisine. Ah bah bravo. Oui, bah on le savait. Merci bien. Merci bien pour l'info. Non, parce qu'en fait, on ne sait pas encore quoi faire avec. On a ramassé un peu d'huile. Oh, mais j'ai pas envie de mettre de la lumière là, on en a assez. Allez, on se casse. Oh mais l'enfoiré. Oh putain, mais on lui a échappé je ne sais comment. Stockage. Non, 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 t'es pas en roi, enfoiré, putain, on va mourir ici comme des cons. Ah putain. C'est compliqué, hein. Vous devez continuer, oui. On s'est pas obligé, hein. Ah bah non. Ah, il fait disparaître. Ah bon, ça c'est sympathique. Là j'ai cru qu'on était dans une mauvaise boucle. Bon, on a tout notre inventaire. Bon, je suis au niveau un léger mal de tête, quelques coupures et contusions. Bon bah en fait, coupures, contusions, je crois que c'est le niveau 0. Ah, on a eu un checkpoint. On est mort là où il y avait un checkpoint. Oh merde, déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis plus sur le jeu. J'ai le bleu, j'ai le jeu qui a planté. Ah non, c'est bon, on est back. Alors du coup, je ne vois pas où je suis. Alors on allait. Ah putain. Bravo, si c'est pour nous remettre à un endroit pour mourir aussitôt. Je suis pas très fan de... Hein, bon, il date de 2010, alors forcément le gameplay... Le gameplay en a pris un coup, hein. On va se remettre de l'huile. Hein, mais de l'huile, bien sûr. Il a escaped. Where is he now?
get her back. 3rd of August, 1839. Alex asked this. Allez, on passe. Bon, y a pas un trou sous chaque lit, hein. On est d'accord. La musique s'est calmée un tout petit peu. Du coup, je sais pas du tout par où aller. Bah, j'irai bien au stockage. Et là, c'était quoi la cuisine? La cuisine, on y a été. D'ailleurs, on va se remettre un Lundanum ici. La cuisine, nous sommes allés. Il y avait de l'acide. On va aller au stockage. Je vais tout. Très pratique de pouvoir couper le micro. J'avais très envie d'éternuer. Zone de cellule 4. Bon, bah on progresse petit à petit. Stockage. Allez, on va au stockage. Mais c'était bloqué par un cadenas, non? C'était pas ici? Si, voilà. Ah non, maintenant ça ne l'est plus. Bon, là on peut ranger notre... Ramasser fiole en verre. Bon, on va pouvoir mettre l'acide là-dedans. Hein, c'est ça. Idiot. Allez, on a une fiole en verre, regardez. Elle est où? Non, ça c'est le combustible. Voilà, fiole en verre, un récipient en verre vide. Bon, on va mettre de l'acide dedans. On n'est pas idiot. On retourne tout de suite à la cuisine. C'est par là la cuisine. Et on fera tomber le cadenas. Il y a l'autre qui va nous faire chier. Je sais plus par où c'était la cuisine. Attendez, on a fait comme ça, puis il nous montrait deux panneaux. Stockage, et la cuisine était par là. Non, même pas. C'était en descendant les escaliers? Bah non. Bah, il y avait bien un petit panneau en cuisine. Alors vous, vous en souvenez mieux que moi, évidemment. Et quand on joue, on est un petit peu là. On a la tête dans le guidon. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Bon, la cuisine, s'il vous plaît, messieurs, dames. Stockage, voilà. Non, c'est là. Cuisine. Je me souviens plus du tout. Au secours. En train de tourner en rond. Cuisine. Non, attendez, la cuisine est par là après. Non, stockage. Attendez, on peut s'allumer un petit peu de temps en temps. C'est par là la cuisine? Non, ça c'est quoi? Cellule 3. Je me souviens plus. Labyrinthique, hein. Et vraiment tout se ressemble, donc c'est compliqué. Non, la cuisine était par là. Bon, si c'est pour faire sauter le verrou qui nous... Voilà, la cuisine c'est par là. Si c'est juste pour faire sauter le verrou qui nous remet à la cuisine, on s'en fiche un petit peu. Allez, on le fait quand même. Voilà. Voilà. C'est bon? Elle est remplie d'acide. Bon, très bien. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit peu du Lundanum ou je sais pas quoi. Je les aime pas les monstres. On a du mal à les éviter. C'était par là. Non. Allez, c'est dans l'autre sens. Oh non, mais tout se ressemble. C'est ça qui est. C'est ça qui est difficile. Allez.
On va traverser une pièce à un moment donné, voilà, comme ça. Ah non, dans l'autre sens. Non, en fait, on était bon. Ah, c'est celui-là qui est verrouillé. Allez, on utilise l'acide. La porte est verrouillée, le canard est en excellent état. Ah, excellent état. N'a aucun effet. On peut pas utiliser notre... Non. Ça n'a pas été affecté par l'événement. Et si j'utilise mon burin? Non. Bah merde, on a de l'acide pour quoi alors? On a de l'acide pour quoi? Ça devenir chèvre. On a de l'acide, mais je vois pas pourquoi, à quoi, ce que ça peut, à quoi ça peut servir. Parce que moi, je ne voyais l'acide que pour faire fondre le cadenas. Voilà, je vous le dis comme je. Il y a que ça qui me. Je ne voyais que ça. Parce qu'à aucun moment je suis bloqué. Enfin, je veux dire si là maintenant là je suis bloqué. Et là, j'aimerais bien se ramasser. La porte est verrouillée, le canard est en excellent état. Mais oui, mais alors pourquoi on s'est fait chier à ramasser de l'acide? Fiole en verre rempli d'acide, elle est remplie d'acide. Faut la lancer. J'essaie de comprendre. Non. Ça ne ferait aucun bien. Oui, c'est bien possible. Oh mon dieu. On a tout, là. Je t'assure que moi, vous me donnez un burin et un marteau, j'essaie quand même de tenter un petit peu. Le cadenas n'a pas été affecté par l'événement. C'est marrant, la traduction par l'événement. Mais là-dessus, ça ne ferait aucun bien. Oh mon dieu. L'acide, c'est sûr qu'il sert à quelque chose. On fait sauter les gonds. Non, l'acide sert à quelque chose d'autre. Mais quoi? Je sais point. Là, c'est les cuisines, on s'en fout, on en vient. Non, faut qu'on aille un petit peu par là. Nous ne sommes jamais allés par là. Je vais remettre une petite torche. Bon, là, il y a une torche, ça prouve qu'on y a été. Ah, regardez-moi ça, c'est là qu'on aimerait aller. On aimerait bien s'enfuir, évidemment. Ah bah ça y est, on n'a plus rien. Attendez, je remets de l'huile. Voilà. On a dépensé beaucoup d'huile dans cette histoire. Oula, il y a eu violence là, sur une femme. Avant de s'en préoccuper, on reprend un peu d'huile. Bon, ça va? Tu veux que je t'encule? Ça va, ces petites blagues. Après, les gens s'offusquent. Dernière fois qu'on a fait un live, on a perdu 5 personnes. Donc maintenant, je dis plus rien. Bon, ça s'est mal passé. On dira que ça s'est mal passé. Ah! Burning houses. He should have known better. On a eu droit à une petite explication de ce qui a pu se passer ici, mais je vois pas à quoi ça... Qu'est-ce que ça peut... Enfin, ça nous fait pas progresser pour autant. Ça fait pas progresser pour autant. Il est quand même cul nu, hein. Y a que moi que ça choque. Dis donc. Un petit froc quand même, c'est quelque chose. Bon, ce lit, on peut le bouger. Il devait bien dormir ici, hein. C'est bien propre chez vous, hein. Puis vous avez 2-3 petites choses pour une gigoteuse pour pas que vous bougiez bien la nuit, pour avoir un sommeil bien paisible.
continue. On n'a pas le choix. Ah, là il y a une petite note peut-être qui va nous expliquer quelque chose. 4th of August, 1839. As we... Ah mais moi je passe, je passe. Je passe, je fais les énigmes. Le jeu est un peu trop bavard. En fait, à streamer... C'est une terrible erreur, hein, d'ailleurs, hein, de passer. Oh mais non, lui on le déteste. Lui on le déteste, on va attendre qu'il passe. Bon, en même temps, s'il vient, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on progresse dans le jeu. On a rien d'autre à faire ici. Hein. Je vérifie vite fait quand même. On a de l'acide. Mais je vois pas... J'utilise mes trucs, hein, parce que bon... Parce que vraiment, je vois pas... Peut-être que dès le départ, j'aurais dû prendre à droite, et enfin à gauche, pardon, et puis il y aurait eu quelque chose à faire fondre avec l'acide. Non mais c'est quand même très très curieux, on a un cadenas. Y a que le cadenas qui peut... Il y a que le cadenas qui peut fondre. Putain de cadenas. Je comprends pas. Yen comprend pas. Ils nous font chercher de l'acide et... Bon, on est vraiment dans le noir, là, pour le coup. Essaye de réfléchir. Ils nous font chercher de l'acide. Combustible... Non, c'est l'huile. D'ailleurs, on va l'utiliser. Alors, je relis bien le truc. Fiole en verre remplie d'acide, oui. Elle est remplie d'acide. Alors, peut-être qu'il y a une façon spécifique de l'utiliser. Ça ne ferait aucun bien. Oui, c'est comme s'il prenait pas en compte le fait que je vais le mettre sur la porte. Oui, j'ai compris que tu avais peur. Bon, ça va finir qu'on aura plus de... Un truc que j'ai pas fait, un truc que j'ai pas vu. Enfin, ça s'ouvre ça? Oui. Bon, très bien. Déjà, on a retrouvé de l'huile. Et du mamadou. Non, mais bon, je ne vois point. On va s'arrêter là ce soir pour du... J'ai envie de streamer encore. En fait, c'est une façon polie de dire que j'ai encore envie de jouer, quoi. Non, mais je vais m'arrêter là. Je vais aller aider un petit peu ma femme avec le bébé. On essaiera de comprendre cette histoire de cadenas la prochaine fois. On peut pas le... Je ne sais pas pour le moment. Donc on va s'arrêter là pour la partie 2. Je vais mettre ça en ligne sur YouTube. Hop. Je vous embrasse tous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous laisse sur mon excellent générique.
says I do not believe in original sin. However, I have been corrupted.